Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. On va souffler. Allez. Les néons. Là. Comment, Yamour, tu veux les faire dodo? Dodo. Les cheveux. Papa. Joy. Et Joy. Et là. Et Charlie. Maman. Toi, tu t'appelles comment? Maman. Non, Charlie. Maman. Oui, maman. La maman. Oui, maman, mon amour. Maman. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les filles? Des galères déjà du matin, ça m'a gavé, je me réveillais, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, j'ai déposé Charlie à la crèche, j'emmène ma poupouche avec ses petites tresses d'amour. Et ensuite, je vais au poké, je vais ouvrir, commencer à faire la préparation. Voilà, les filles, avec Daphné, on va aller poser des petits flyers encore sur les voitures et tout. Vous allez bien. Je vous souhaite à toutes de passer une bonne semaine. Un bon lundi, une bonne rentrée, enfin une bonne reprise des cours. Après le week-end, je sais que c'est pas facile le lundi pour tout le monde. Ce matin, les filles, ah ouais, ce matin. Hier, Joy, vous savez ce qu'elle m'a fait? Les filles, Joy, hier, donc elle s'est levée déjà le matin à 11h, ok? J'ai laissé dormir et tout, parce que c'est dimanche, je me suis peut-être qu'elle est fatiguée aussi de sa semaine, qu'elle récupère un peu, c'est le week-end, je leur mets pas de pression, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent. Bon, à un moment donné, j'ai commencé à la réveiller parce qu'il était quasiment 11h. Donc j'ai réveillé Joy à 11h, donc elle a dormi de je sais plus quelle heure jusqu'à 11h. Ensuite, vers 14h30, je me suis mis dans le lit pour me reposer. J'ai pris Joy avec moi, elle s'est endormie avec moi jusqu'à 16h30. Donc elle a dormi jusqu'à 11h le matin, ensuite elle a fait une sieste avec moi de genre 14h30 à 16h30, donc 2h. Alors que Joy, elle fait jamais de sieste. Donc elle a dormi énormément, quoi. Jusqu'à 11h, ensuite 2h de sieste. Hier, je la mets au lit. Elle voulait rien savoir, pas dormir. Rien savoir. Moi, je me suis endormie. Je suis fatiguée. Et ce matin, les filles, Joy, à 6h, je me suis levée parce que Charlie s'est réveillée. Alors que d'habitude, je lève les petites vers 7h, 7h15. Le temps que je me prépare et tout, moi je me lève à 6h15, mais le temps que je les prépare, etc., que je les réveille une heure après, quoi, vers 7h. Et en fait, Charlie, elle était réveillée par Joy, parce que Joy, elle jouait dans la chambre c'était le bordel. Joy, elle avait mis des jeux de partout, enfin bref, ça se voyait qu'elle avait joué depuis longtemps, quoi. Donc je me demande carrément si même Joy a dormi, quoi. Elle a dû dormir, mais je pense très très peu. Parce que sinon, ça arrivait à quelle heure, en fait? Si à 6h, elle jouait déjà depuis longtemps. Je pense, en fait, j'en ai déduit par rapport à la chambre, parce que moi, avant qu'elle se couche, je range tout le temps leur chambre. Genre, leur chambre, elle est nickel le matin, quand je les réveille. Et là, la chambre, c'était vraiment le bordel. Donc je pense qu'elle a dû jouer, tout toucher, donc avant 6h. Je viens de la regarder, puis elle ne fait pas de bruit. Elle dort, effectivement, elle est très fatiguée. Donc je pense qu'elle allait complètement décaler les filles parce que elle a dû dormir, mais je pense très très peu. C'est comme si qu'elle était en jet lag là, genre elle est décalée. Ça m'énerve pour elle parce que là elle est décalée, elle est fatiguée alors que c'est le matin, tout le monde pète la forme. Il faut que j'essaye de rappeler l'infirmière, j'ai encore essayé hier mais elle devait pas être là pour l'hormone de croissance parce que je vous ai dit c'est manquant. Genre c'est pas la pharmacie qui peut pas l'avoir, c'est il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'usine en fait qui crée ça, cette hormone, elle m'a dit, ben, il n'y en a pas là. Elle m'a dit, donc je vous ai mis prioritaire, mais en plus, déjà, elle a besoin de tous les mois. Et ça, c'est un peu chiant parce que en fait, ça va durer des années. Hein.
mais je vais devoir y aller tous les mois récupérer son hormone de croissance. Genre je peux pas en prendre pour 6 mois d'avance. Ça c'est un peu chiant. Normalement c'est tous les mois, mais le monsieur, la fois j'ai demandé, il m'en a fait pour 3 mois directement. Tous les mois je dois aller à la pharmacie, bon voilà. Et ben là par contre je vais devoir aller tous les mois, j'ai pas le choix. Donc ils vont me connaître à la pharmacie, mais comment ça ils vont me connaître, mais donc vous pouvez quand même rappeler d'abord la pharmacie, savoir s'ils ont reçu. S'ils l'ont pas reçu, j'appelle l'infirmière, elle m'avait laissé son numéro heureusement, mais bon j'ai toujours pas réussi à la joindre. Il faut absolument que j'appelle l'infirmière parce qu'en plus j'ai rendez-vous, enfin Joy a rendez-vous avec l'endocrinologue dans même pas un mois. Et c'était pour voir l'évolution, mais si j'en ai pas, il y aura pas d'évolution parce qu'elle va pas en prendre. Enfin bref, bon j'appelle la pharmacie les filles. Ah non, il y en a une autre, mais elle m'a dit c'est un stylo jetable. Donc dès que tu fais une piqûre, tu dois jeter. Donc je vous explique pas la grosse galère. Donc elle m'a dit sinon il y a un stylo jetable les filles, mais genre à chaque piqûre que je lui fais, je dois le jeter à la poubelle et en prendre un autre. Genre la grosse galère. Et je lui ai demandé si je pouvais du coup switcher sur celui-là. Et quand l'autre était dispo, bah, retourner sur l'autre. Elle m'a dit le mieux c'est de rester quand même sur la même. Donc on va attendre, mais bon, en fait, on m'a pas donné de délai. La femme de la pharmacie, elle m'a dit juste c'est manquant, il n'y en a pas, il n'y a plus. Pour l'instant, je vais les rappeler de suite, savoir s'ils n'ont pas eu entre temps. Et elle m'a dit d'appeler un peu toutes les pharmacies, savoir s'il y en avait quelques-uns de côté, genre. Voilà. En plus, comme je vous ai dit, on avait rendez-vous de criminologue dans un mois. Donc si Joy elle a pas commencé là bientôt, je vais devoir annuler le rendez-vous parce que c'était pour voir l'évolution de l'hormone. Elle avait déjà pris les centimètres et tout. Donc on va voir. Là je vais appeler les pharmaciens.